Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un mini haul déco. Je voulais absolument vous montrer ce qui se faisait en ce moment à Zeeman. Et je trouve que c'est vraiment super joli et du coup j'ai pris quelques petites affaires et je voulais absolument vous montrer ça, donc c'est parti. Donc à Zeeman, ils ont toute une déco un peu style industriel, avec un petit peu de marbre, avec des jolis coloris, tout ça, vraiment pas cher du tout. Par contre, je me souviens plus des prix, enfin il y a des prix qui sont affichés, mais il y a deux articles où je me souviens plus du tout, mais en tout cas voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Et il y a d'autres coloris aussi, il y avait noir, il y avait argenté, il y avait en cuivre. Et voilà, du coup c'est parti. Donc tout d'abord j'ai pris ce porte document, donc je crois qu'il m'a coûté dans les 3,99€, donc vous voyez vraiment le prix hyper raisonnable, donc même si vous êtes étudiante ou quoi, voilà. Et du coup voilà, bon moi j'y mets toutes mes pochettes et tout ça, comme ça je sais qu'elles sont réunies là dedans, voilà, avec tous mes documents pour la maison, donc voilà pour ça. Ensuite, dans le même modèle, je me suis pris une sorte de petit panier. Du coup, moi, j'y mets tout ce qui est carnet pour YouTube, pour mon agenda, enfin, plein de trucs. Ça aussi, je crois que c'était dans les 3€, 4,99€, mais vraiment pas cher du tout. Donc, un peu effet cuivre. Donc là, il y avait le modèle, pareil pour ça, le modèle argenté et noir. Pareil pour celui-ci. Et donc voilà, il est vraiment super bien, je trouve qu'il a une très bonne contenance, vous voyez. Donc voilà, franchement, par exemple, mettre vos feuilles ou vos courriers ou je sais pas, enfin voilà, vous aurez plein d'utilité à ce petit panier là. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Et ensuite, donc je suis un peu dans ma folie marbre, en même temps c'est un petit peu... l'élément un peu mode qui se trouve actuellement en magasin et tout ça, mais moi voilà, j'ai toujours aimé ça. Et du coup je me suis pris une petite boîte effet marbre, donc voilà, c'est une boîte en métal, donc il m'a coûté 2,49€. Bon, pour l'instant j'ai rien mis dedans. Par contre faites attention, parce que si vous avez tendance à l'appuyer contre quelque chose quand vous mettez vos articles dans les sachets quand vous sortez de Zeeman, faites attention, parce que souvent la boîte a tendance à se déformer très rapidement si elle est en contact avec d'autres choses un peu lourdes ou autres. Voilà. Donc voilà, mais je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais voilà, je l'ai prise parce que voilà, pour le prix, puis en même temps j'aime bien ce genre de petits motifs là. Et ensuite je me suis pris un plateau, donc il m'a coûté seulement 2,99€. Et donc là aussi c'est un effet marbre, il y avait d'autres coloris, mais voilà, l'effet marbre voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé ça super intéressant, voilà, pour prendre le goûter ou autre. Voilà, super joli, donc voilà. Voilà les petite nouveauté, c'était vraiment un mini haul, hein, je vous avais prévenu. Voilà, je voulais absolument vous montrer ça parce que je trouve que c'est vachement intéressant au niveau du prix et au niveau des motifs et tout ça, parce que ça, je pense que si on l'aurait pris dans le style de Maison du Monde, ça lui aurait coûté un bras, alors que là pas du tout. Pareil pour ça, donc je pense que voilà, c'est assez intéressant quand même. Donc après ils avaient aussi des panières, des corbeilles dans le même style que ça, il y avait des cadres photos, d'autres boîtes, enfin vraiment il y avait plein de choses dans ce style là, donc je pense que vous devriez aller faire un tour si ce genre de déco vous intéresse et vous plaît. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !